Coucou mes petites biches, je vous retrouve. On est le troisième jour de notre voyage en Californie et nous attendons notre Uber pour aller au studio Universal. Et on est tellement emballés. Hier, c'était vraiment une super belle journée dans les studios Warner Bros. Mais là, ça va être une journée un peu, comment dire, festive, un peu retour en enfance parce qu'on va voir plein de choses. Et c'est un parc, en fait, comme un parc d'attractions. Et il y a notamment l'univers d'Harry Potter et comment vous dire, vous savez que nous sommes des grands fans tous les deux. Hagrid is in the place, sauf que c'est Tonks déguisé en Hagrid pour le coup, hein, parce que avec les cheveux roses. Mais voilà, bien évidemment, je vous emmène avec nous. J'espère qu'on pourra filmer et nous avons un petit cabot à côté de chez nous. Voilà. Il est 9h du matin, il fait 21 degrés. 26 degrés de prévu aujourd'hui, ressenti 31, tout va bien.
Coucou mes biches, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis dehors. J'avais envie de terminer la journée, le vlog du jour, même si je ne sais pas encore comment je vais arranger tout ça. En vous racontant un petit peu comment c'était les studios Universal, c'était mais dingue. Franchement, je vous le recommande, c'est énorme. Prévoyez bien une journée parce que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un coin Simpsons, il y a un coin Harry Potter évidemment, il y a tout le village de Pré-Aulard, il y a Poudlard, il y a le château, enfin c'est vraiment magnifique et très impressionnant. Et je change de main. Il y a une partie Jurassic Park, pour mon plus grand malheur. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Il y a un côté un peu style mignon avec une grande aire de jeu pour les enfants avec des jeux d'eau et tout ça. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à voir, à faire. Le seul truc c'est que il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Le seul truc c'est que il y a énormément d'attentes. On a fait une seule attraction. Enfin, une seule vraie attraction, on va dire, c'était le voyage interdit, je crois, The Forbidden Journey de Harry Potter. Il y avait 90 minutes d'attente affichée. On a attendu plus de 2 heures, enfin attendu, parcouru la file d'attente. En fait, on est resté dans la file d'attente pendant plus de 2 heures. C'était extrêmement long, sous le soleil. J'avais mis de la crème, hein, mais j'ai quand même attrapé quelques couleurs sous le soleil californien. Il faisait très très bon, il fait vraiment magnifique ici. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte. Franchement, il y a pas mal de petits-enfants et moi je comprends pas. Dites-moi si vous avez des petits-enfants ou si vous êtes déjà allé dans des parcs comme ça avec des petits-enfants. Mais attendre 2 heures ou plus, parce qu'il y avait même certaines attractions où il y avait 3h20 de file avec un petit gosse comme ça. Et même, enfin je veux dire, en tant qu'adulte c'est déjà dur, mais alors avec un enfant, franchement chapeau. Je pensais tout le temps à ma filleule parce qu'elle est fan d'Harry Potter et elle a 10 ans et demi, donc ça va, je veux dire c'est plus un petit bébé, mais je me disais que même pour elle ce serait long d'attendre tout ce temps. Mais les tout petits enfants, les pauvres franchement. Donc ça vraiment c'est le seul point noir, je dirais. Bon, à part la foule de gens, si vous êtes agoraphobe, franchement c'est dingue de chez dingue. C'est New York x 1000, hein, parce que je ne sais pas combien de milliers de personnes il y avait, mais c'était atroce. Je ne suis pas très très à l'aise dans les foules, donc c'est un peu compliqué. Je sais, c'est un petit peu bizarre de dire ça vu où je vis, mais franchement, New York, c'est pas pareil. Là, vous savez, c'est les gens forts, c'est bondé, alors il n'y a rien à faire. Dans des trucs comme ça, les gens se comportent un peu comme des animaux, ils sont là en mode « Ouais, laisse-moi bouger !» Donc c'est un peu plus compliqué, mais voilà, le temps d'attente extrêmement long et les gens c'est bof, mais d'un côté c'est un parc d'attractions, enfin je veux dire on va à Disney, on va à Walibi, on va n'importe où, c'est comme ça, donc voilà. Comme vous pouvez l'entendre, il y a des chiens dans le quartier, hein, mais bon c'est ça, ou alors je suis dans le noir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. On m'appelle pour manger. Mais à part ça, vraiment c'était une super expérience. On a fait le tour du studio aussi en petite voiturette. Et c'était très très bien, franchement c'est super chouette. Et je pense qu'on est passé à côté du set de The Man Who Killed Don Quixote. Je ne sais pas comment on dit en anglais exactement, mais c'est un film qui est en train d'être tourné et qui a comme acteur Adam Driver, alias Kylo Ren. Mon petit amour chéri, petit nom, grand amour. Donc j'ai essayé désespérément de le voir, mais je ne l'ai pas aperçu. Voilà, mais donc en résumé, très très bien, franchement, un super parc, très grand et avec plein de choses à voir et à faire. Mais franchement, armez-vous de patience, prenez de la crème solaire, des casquettes, de l'eau et tout ce que vous voulez. Enfin, y a de quoi boire et manger dans le parc évidemment, mais c'est long, mais ça en vaut la peine. Voilà, sur ce, je m'en vais manger. Vous avez vu que j'ai été appelée à table. Donc je vous dis à tout de suite ou à la prochaine. Je ne sais pas encore.